Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire de l'initiation en ski de randonnée, pas loin du col de l'Isoard, avec les journalistes de Télématin, Grégoire Tournon, Richard Licia et Daniel Julien. Petite séance de repérage avec Olivier pour trouver les bonnes pentes et les bons versants pour faire des belles images de ski de randonnée. Hey Olivier, ça me suffit là, hein ? C'est un mélange de ski de fond, de ski alpin et de randonnée d'alpinisme. Alors on commence toujours par chausser le pied aval. Ce qui est pas mal, c'est de croiser les pieds comme ça avec le pied droit, on évite que le ski parte dans la pente. Je serre la fixation afin de ne pas perdre le ski pendant la montée. Ça c'est du sport! Par rapport à un ski alpin, on va utiliser un matériel plus léger, parfois un petit peu plus large, et surtout équipé de fixations spécifiques qui permettent de lever le talon à la montée et de bloquer le talon à la descente. Ça tourne. Ça fait des heures qu'on crapahute, là on monte, on descend, quand est-ce qu'on arrive? Écoute, la journée est bientôt terminée, tu vois. On va le refuge ici et on passe la nuit là. Le refuge Napoléon? Oui, tout à fait. Mon empire pour la nuit. Alors le ski de randonnée peut se pratiquer au cours des stations, mais l'intérêt premier c'est quand même de s'éloigner des remontées mécaniques, d'aller dans des espaces vierges, sauvages, pour être en pleine nature, en pleine montagne, et dans un terrain en pleine poudreuse, quoi, hein, c'est ce qui est super plaisant. Tu fais un serré sur la main et il le met dans sa veste, ça on va le faire en serré. Okay. Et après on fera le gros, parce que sinon on ne verra pas la barre.